Hello tout le monde, c'est Angélique, ta coach perso. Tu m'as souvent entendu dire qu'il fallait que tu sortes de ta zone de confort. Mais pourquoi est-ce que tu sortirais de ta zone de confort puisque c'est si confortable que ça? Et je t'explique l'intérêt de le faire. Alors je vais prendre un exemple tout simple. Tu fais métro, boulot, dodo depuis de nombreuses années. Tu aimerais changer de travail, ça te plaît pas, tu y vas avec des pieds de plomb et pourtant tu ne le fais pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que c'est confortable. Ce serait prendre des risques de tout changer aujourd'hui. Donc tu restes dans ce que tu connais le mieux. Parce que c'est connu. Ok? Ce que tu connais le mieux, c'est confortable. Et pourquoi on ne sort pas de sa zone de confort? Justement parce qu'il y a la peur de l'inconnu. On ne connaît pas à l'avance le résultat de quelque chose de nouveau. N'est-ce pas? Alors le mieux, c'est d'essayer. Mais peut-être que tu as aussi la peur de l'échec. Tu as peur de ne pas réussir. Alors, ne te focalise pas sur le résultat, peu importe. Au moins, tu auras essayé. Et puis, peut-être que tu as aussi peur de réussir. Pourquoi est-ce que tu aurais peur de réussir? Je vais donner un autre exemple. Par exemple, tu adores chanter sous la douche. Et pour autant, est-ce que tu oserais chanter sur une scène devant du monde? Ça fait peur le réussir. Ça, tu as peur aussi de répondre aux attentes des autres. Moi, je te dis qu'une chose, c'est essaye. Essaye au moins la méthode du pas à pas. Je l'explique très souvent, ça, dans mes vidéos. Alors, c'est vrai que mes vidéos, je donne des petits exercices vraiment très, 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 très simples à faire. Ça paye pas de mine. Tu te dis, oh là, ça va pas faire de grands changements dans ma vie, mais détrompe-toi. La méthode du petit pas, du pas à pas, ça va te permettre de progresser progressivement, c'est le cas de le dire. Je vais donner un exemple encore. Tu ne vas pas te jeter à l'eau si tu n'as pas appris à nager au préalable. Il en va de même que lorsque tu apprends à conduire. Lorsque tu apprends à conduire, tu dois réfléchir à tous les mouvements et de faire en sorte qu'ils soient coordonnés. Mais aujourd'hui, quand tu conduis, est-ce que tu réfléchis à tout ça? Non, tu pars d'un point A à un point B, c'est un peu tout juste comme si ta voiture elle roulait toute seule, ça se fait toute seule, c'est automatique. Donc la méthode du pas à pas, c'est justement de faire les petits exercices que tu trouveras sur ma chaîne Épanouie Vie. Il y a des tas de petits exercices à faire, de les faire progressivement. Alors il y en a pour qui ils vont passer des étapes, où ils vont y aller beaucoup plus franco, pour d'autres ça va être beaucoup plus rapide, pour d'autres il faudra plus de temps, c'est ok. Mais surtout, il faut essayer, il faut progresser. Alors pourquoi? Parce que si tu ne fais pas tout ça, tu restes dans ta zone de peur. Donc tu as ta zone de confort et puis tu penses que tu ne veux pas y arriver, tu as peur de l'échec, peur de réussir, peur de l'inconnu, etc. Alors tu restes dans cette zone de peur et cette zone de peur ne va pas te faire progresser. Donc c'est important pour toi d'élargir ta zone d'apprentissage. Et comment tu peux faire ça? En rencontrant de nouvelles personnes, en faisant de nouvelles activités. Alors au début, ok, c'est un petit peu difficile, hein, il faut un peu se forcer. Et puis tu vas prendre plaisir parce que tu vas réussir de plus en plus. Et tu vas élargir ta zone d'apprentissage. Tu vas finir par progressivement régler tes problèmes un à un. Tu vas acquérir de nouvelles compétences et l'idée, à terme, l'idée, c'est d'arriver dans ta zone de grandeur. Ça veut dire ta zone de rêve. C'est que tout est possible pour toi. En tout cas, tu ne considéreras plus rien comme un problème, mais plutôt comme un défi ou un challenge à relever. Donc voilà pourquoi c'est important de sortir de sa zone de confort. Alors, dans mes vidéos, tu as l'habitude d'avoir tous des petits trucs comme ça. Voilà. Ne les visionne pas seulement. Vraiment, je t'invite à écrire dans un cahier de développement personnel. Tu pourras suivre tes progressions et puis surtout, entraîne-toi. La vie, c'est un apprentissage de tous les jours. Et on me demande souvent, c'est quoi le coaching de vie? C'est quoi le développement personnel? Eh bien, c'est ça. Ce sont des petits apprentissages de la vie de tous les jours parce que ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école, mais ce sont des choses qui vont t'aider à évoluer, à progresser, à avoir confiance en soi. Par exemple, quand je reprenais l'exemple de la douche, tu as le talent et les compétences pour chanter,
Mais tu n'as pas la confiance en soi et l'estime de soi pour le faire devant le monde. Eh bien, tout ça s'apprend. Alors, si tu veux ne rien manquer de toutes mes vidéos, si tu veux continuer à progresser, eh bien, je t'invite à liker déjà pour savoir si ça t'intéresse que je continue. N'hésite pas à écrire en commentaire les thèmes que tu aimerais que j'aborde. Les petits pouces bleus, ça va m'encourager parce que moi aussi j'en ai besoin. Je me dis, voilà, est-ce que c'est utile ce que je fais? Est-ce que tu as envie que je continue? Et puis, ne partage, pardon, cette ressource, je veux dire, ne la garde pas pour toi tout seul, tu fais plaisir. Enfin, il y en a qui aimeraient et qui adoreraient essayer aussi le développement personnel. Et puis, je te dis à très bientôt sur ma chaîne Épanouis Vie. Bye bye, coachement vôtre.